Salut, c'est Alexandra Fischner, on est sur quoi.fr. Je vous ai jamais vu. Facteur cheval. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais quand je marche. Ben je rêve. Je suis bien quand je marche. Alors nous présenter, eh bien, nous sommes donc Nils Tavernier et Alexandra Fischner. Nous avons collaboré ensemble en tant que respectivement metteur en scène et producteur sur l'incroyable histoire du facteur cheval avec Laetitia Casta et Jacques Angelin. Alors moi j'ai connu l'histoire du facteur cheval parce que j'ai l'auteur du scénario original qui s'appelle Fanny Desmarais, qui est venue un jour raconter cette histoire que je trouvais fascinante. Moi je me suis vraiment placée du côté de l'homme, je trouvais que l'histoire était tout à fait incroyable et j'ai voulu évidemment raconter cette histoire et donc j'ai appelé Nils Tavernier pour la réaliser. À partir de ce moment-là, on a travaillé ensemble sur ce projet. Un truc sur l'histoire du facteur cheval, quand Alexandre me l'a proposé, c'est que c'est vrai que c'est une histoire vraie. Et comme ça, ça donne de la force au film, je crois, de savoir que c'est vrai qu'il y a eu un homme qui, pendant 30 ans, a ramassé des cailloux pour construire une sorte de terrain de jeu pour enfants, une cabane gigantesque. Alors le fait que ce soit vrai, je trouve, est magique. Je ne connaissais pas du tout, j'avoue, je ne connaissais absolument pas et on a découvert cette région sur l'Andine. C'est vrai qu'on a toujours, là on se l'est dit, on est arrivé en train tout à l'heure, à ce petit pincement au cœur d'émotion à chaque fois qu'on débarque dans cette gare de Valence TGV parce qu'on a de tels beaux souvenirs. Ça a été un tournage magique, on a rencontré plein de gens extraordinaires. C'est vrai que voilà, c'est une région somptueuse, mais je crois que le film lui rendra musique. Moi d'abord Jacques c'était un luxe, d'avoir Alexandra c'était un luxe, d'avoir l'histoire de facteur cheval c'était un luxe, d'avoir Laetitia Casta sur le film était un luxe. Jacques je l'ai regardé, je continue à le regarder fasciné, il est comme facteur, il y a une sorte de la manière dont il rentre dans ses personnages, mais en reste vraiment, et c'est pas une coquette intellectuelle, je viens de faire deux films avec lui, c'est quelqu'un que je connais. Il y a une part de mystère, je sais pas comment il fait facteur Jacques. Il reste, je continue à le regarder, même quand je suis devant ma table de montage, je continue à être étonné. Jacques, il a une qualité, c'est qu'il arrive à être émouvant sans être dans la séduction. Et ça, moi, je trouve ça super. Finalement, en fait, j'ai eu un discours qui ressemblait à ça. C'était pas un film mode, c'était pas un film où il y avait des grosses voitures, des gens voilà, qui cartonnaient. C'est un film qui ne rentrait pas dans les cases. Voilà. C'était l'histoire d'un simple facteur au milieu de la Drôme qui a construit un palais avec des cailloux pendant 30 ans. Donc c'est sûr que c'était pas un sujet sur lequel de pouvoir miser. Mais l'histoire humaine est magnifique. Je crois que les gens ont envie de voir de belles histoires, surtout en ce moment au cinéma. Meilleur souvenir. Alors moi, je sais que mon meilleur souvenir, c'est le premier grain. C'est quand ça démarre. C'est une émotion. Ça a été une émission. Enfin voilà, ça a été une émotion pour moi extraordinaire de pouvoir donner le goût de ce premier clap. C'était merveilleux. Parce que c'est un film dont j'ai rêvé pendant 4 ans. Voilà, je vous l'ai dit, on a eu beaucoup de difficultés à le monter. Finalement, quand voilà, on y arrive, qu'on est enfin sur le plateau et que je me suis assise à côté de Nils qui filmait, je me suis dit, ça c'est juste magique. C'est un instant magique. Je sais pas, j'ai 50, 70 moments où j'ai été surpris par les gamins, surpris par les paysages. Ça a été surpris tous les jours. Je veux dire quand même, la première présentation au Trib a été très émouvante. Ouais. Moi j'étais en larmes à la fin parce que 850 personnes debout. Vous vous rendez compte, on arrive dans la région du facteur. On leur présente le film qui parle du héros de leur région, en gros, et il ne faut pas les décevoir. Donc c'est vrai que si ça avait été négatif, on aurait été détruits. Et là, le fait d'avoir ce côté ultra positif, ça a été super. Je
sais pas. Sincèrement, je sais pas, je regarde pas de série, très peu. Je sais pas. Moi, j'ai Walking Dead saison 12000. Je suis assez fan de Walking Dead. Le train de Philippe Sard. Ah oui, non, mais c'est pas du tout. Ah, c'est pas une chanson, c'est un son. Et on écoute beaucoup Facteur Cheval en ce moment. Rendre hommage à la musique. Rock, ils sont prêts à faire le singe. Me laisse pas tout seul.